En fait, pour être responsable, parce que je dois d'abord définir les mots, parce que là maintenant, il y a une différence entre responsable et coupable. Ces bonhommes ne sont déjà pas responsables. Ils sont coupables de tout. J'ai dit bien coupables de tout. Parce que responsable. Le responsable, au moins, c'est que dès que j'ai une chaîne de radio, je dois payer Hervé, je paye Don Fabiano, je paye tout le monde, etc., etc. Mais les gens ne maîtrisent même pas ce que me dit ce mot-là. Ils sont forcément coupables. C'est-à-dire que ce sont plus des copains qui sont proches d'une zone que j'ai appelée le pandémonium, la zone de l'enfer, être enfermé quelque part, que commencer à penser, imaginer être président de club. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir un mécato, tu comprends, avoir des gens appelés. Parce qu'avant, il y avait un robinet qui était avec nous un forcément unilatéral, de telle manière que ça va quelque part une seule zone. Et on préoccupait pour commencer à faire la redistribution. Maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et pour maintenant commencer à réfléchir, c'est-à-dire que les gens ont été présents de club sans avoir réfléchi. Alors que j'ai mes auditeurs et mes auditrices qui sont exceptionnels. Que les Kikibis, les Erika Maraj, les Fleury Komol, sans oublier les Rewan et notamment les Ibami, les Jean-Jacques Koula, qui maîtrisent même mieux l'administration des clubs qu'effectivement nos gens qui sont venus voler un fauteuil qui n'arrive pas à les appartenir. Voilà exactement la réalité. Quand on commence à chercher des choses compliquées, on cause même comparer effectivement ces bonhommes-là au niveau de la France ici, là, non, ça va loin. On s'en va loin. Les gens arrivent à partir en Tanzanie. Ça fait longtemps, même les Camerounais ne maîtrisaient même pas exactement où se trouve la situation géographique de ce pays-là. Mais à cause, effectivement, des gens qui ne sont pas d'abord responsables, qui sont coupables. Parce que responsable, je te dis que c'est un mot très agréable pour certaines personnes. Et là, on se retrouve dans le projet du club. C'est quoi au niveau de l'année? Ils n'ont aucun projet. Je vais. Ça reste exactement des phrases ventriloques. Ils ont une gestion sulfureuse. Et en ce moment, ils sont exactement dans les copinards qui, dès qu'on refuse un peu de fromage, non, je ne joue plus. Comme les enfants font souvent exactement dans les interquartiers ou bien dans les oppositions, que dès qu'on ne le prend pas dans le 11 central, ils disent que non, il faut que j'arrête le ballon, je rentre avec ça à la maison. Voilà dans quoi on est et comment ils ont fait pour se retrouver là. Comment ont-ils fait pour se retrouver là? Comment ont-ils fait? Ils se sont retrouvés là pour faire exactement des tontines, des réunions, essayer de construire des maisons et ils ne savent pas ce que veut dire football là.